Bote na bino nyo sotou, et encore une fois, bienvenue na chaîne na bino bolinga kamingi, et surtout, manaka oyo, to sa la ka décryptage de l'actualité politique en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée, vous le savez, par ce théâtre de coups d'État raté, et pas y a un aventurier, Moko Bouye, un ancien commando, qui a été dans l'armée sous Joseph Kabila, capitaine Akenda, na ye exil aux États-Unis d'Amérique, akoma na ye vendeur de chanvre médicale, Akenda kosala na ye kikuluna na niveau ya Mozambique, na bamine, aye kambala moko azwi manduki, ou nazo sala coup d'État, mais il y a quelque chose que nous devons déplorer na kati ya mboka na biso. Voilà pourquoi je me suis précipité à vous donner, c'est l'actualité, à vous saler la bino, analyse Oyo tokozala décryptage ya nini et les kaki, quelles sont les défaillances, parce que ba américain oyo bo mona ki na ba vidéo oyo bo kota la pe na kati ya manaka na bino oyo ba américain ba kota ki na Congo depuis le 9 mai outa le 9 mai ba américain bazala ki déjà awa. Ils se sont enregistrés na service ya DGM na biso. La question qu'on se pose maintenant, ambassadrice ya États-Unis azoya ko sala communiqué lelo que le gouvernement congolais bazala inquiéter parce que les États-Unis bazala disposé à enquêter sur les Américains qui ont été arrêtés pendant l'opération. Entre-temps, que ce soit l'ANR, que ce soit le renseignement militaire, que ce soit la garde républicaine, les arrestations sont en cascade. Mais avant de commencer l'arrestation en cascade, je veux que je puisse vous relater la situation. Naïbi Sibino, Christian Malang, il est connu. Il était sous surveillance des services de sécurité congolais. Parce que, menace yo et bandit le loté. Ba menace banda ki kala. Il le faisait déjà outa kala. Pour lui, il faut Zahir Nde Ezonga. Il menaçait déjà la République démocratique du Congo. Mais Christian Malang a koti na ba frontière na biso. Avant a kota awa, a outa ki kosala na nou réunion préparatoire ya coup d'état raté théâtre. Onga nazali kobenga théâtre. Avant na banda manaka, na lingi nanu, si je parle le même langage avec les techniciens, bolanda nanu, réunion préparatoire. Oyoma, Dieu Christian Malanga a salaki avant aya ko sala coup d'état. Suivons ensemble et revenons après l'image. Merci. Ya komona ke ndenge biso nyoso tozali awawa pona kozali loba ya peuple wazana loba te. Voilà. Vous venez de suivre, mes chers compatriotes, très chers abonnés, la vidéo préparatoire. Il y a théâtre, il y a coup d'état, il y a où t'as qui kosale mamokoloa dimanche vers 3h, 4h du matin. Et je me suis posé la question, est-ce que coup d'état est salé à 4h du matin? C'était pas préparé bien son coup d'état. Son théâtre, tout le bango coup d'état, son théâtre. Le monsieur avait des complices au niveau de l'Agence nationale de renseignement. Ce monsieur avait ses complices. Nakati yaba service de sécurité. Mes chers compatriotes, lorsque vous regardez,
le contour de la situation. Moutoyo Azala qui recherché par les services de sécurité. Comment est-ce qu'il est passé dans la frontière Nabissou? Comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans Gombe? Le retoc, il y a un air, Awa, dans la ville de Kinshasa. Moussala Nabango et Zalinine. La première réaction du président de la République, il félicite les forces armées de la République démocratique du Congo pour la réactivité au Bazalaki Nango pour étouffer l'attentat dans son œuf. Ndenge le porte-parole de l'armée Aoutaki Kolobayango. Mais les questions restent à se poser. Quelle défaillance, quelle négligence en pleine capitale, le milieu le plus sécurisé de la République démocratique du Congo est Zali Biro ya Mokonzi ya Mboka. Le Congolais se pose la question de savoir. Batouana Bakeyi n'est pas Vital Kamerhe, un simple député national. Ba rencontré défense. Ou soit, il y avait quelque chose comme la résistance. Et pas à Vital Kamerhe. Il n'a rien fait chez Kamerhe à part à augmenter les policiers. Mais arrivé au palais de la nation, le milieu le plus sécurisé, Batouana ba koti, ba sali ba dega, ba sali ba vidéo, ba lobi wolo tout ba beka ki koloba. Ils ont fait leur théâtre nenge ba sala ki yango wana. Où étaient les services de renseignement? Où était le service et la direction générale de migration? Batouana ba koti na manduki. Il y a une vidéo où il y a Christian Malanga Zola qui sa Bamandou qui est à Zalaki Nango en États-Unis. J'ai l'autre vidéo où il y a quelques sommes Bamandou qui est en Israël. Il y a quelques jours de cela. Donc le service de renseignement militaire, il fallait qu'il base à la au courant. Il y a Makamboa na tout et Salim. Le pays aujourd'hui. Tout Congolais peut affirmer et sécuriser que Mokezali en insécurité. Moutoua koti na Mandouk. Mandouk wana eleki nanu na ba frontière na biso ndengeni. Ba Mandouk wana eleki na ba frontière ndengeni. Cette ni là. Batiango caché à Zaïre et le qui n'a pas frontière Ndengeni. Parce qu'au niveau des frontières, il y a la direction générale de migration, il y a l'agence nationale de renseignement. Bango Bazali wana pour chercher l'information. Le chef de l'État est révolté contre ces services-là, surtout le renseignement militaire. Il y a une complicité na Oyo Outaki Kosalema. Bayimbo Kaisengeli Baeba. Que Mouto Azali na complicité, na complicité na kati, a koki koyate, a matisi drone, na milieu présidentiel, na bureau tata mokonza école, ba matisi drone, ba brouye nan ba arme moussouswana ba bloke yango mwaya ebete a izate. Ni tete l'intervention ya général Ephraim ya garde républicaine, celui qui a mené les opérations et y a qui ont maîtrisé Batouana. Ils étaient entrés dans Katia, palais de la nation. Basali vidéo. D'ailleurs, je veux que vous puissiez suivre la vidéo. Parce que, et Sengeli Tozo, le babozo, mon image. On s'est posé la question, la garde républicaine est à la Kiwana. Celui qui était le chef de la sécurité à palais de la nation, Mukolowana. Il doit être interpellé. Ces gens sont entrés facilement. Suivez d'abord la vidéo, mes chers compatriotes. Après, je reviens. Yes. Ma. This thing is not working. Nous Zaïre! Nous Zaïre! Nous Zaïre! Nous Zaïre!
Here, hold that there. No. We follow with the cadet. You better make the dad move. Make this man walk. Fuck, it's jammed. It's not for me. Parler de la nation Sikoya. Zahir Oye! Zahir Oye! De, mon quoi mataliko, la taliko, les ananin. Zahir, bana Zahir. Bana Zahir, Félix, we're coming for you, nigga. Vous voyez dans cette vidéo, bientôt à 8 ans, il y a qu'au téléphone, il y a Christian Malang, a lancé direct dans Facebook, a lancé direct dans TikTok. Pendant tout ce temps, il n'y a pas eu intervention. Je vais relever quelque chose. Qu'on ne voyait pas Vital Kamerhe, tu parlais de la nation, Ezali Moussikati. Ça veut dire que tant que Massa Sebanda qui couvre déjà pas Vital Kamerhe, Bato Bazala qui n'a parlé de la nation, Bayoka qui déjà qui a le coup de feu aux Ali Kobeta Mawana. Chose grave, les deux groupes qui étaient divisés, Bao Bazala qui n'a ma campagne, Baye n'a biso toi Kobenda esprit de vie. Bao Bazala qui n'a gombe, Babo Tony Mutumutuka, na awa na ville ya gombe, Babomi chauffeur ya Mutuka, Bazu Mutuka wana, Yamende Bayaki Kosala forcing n'a parlé de la nation. Or, parler de la nation, c'est le milieu le plus sécurisé en République démocratique du Congo. Mais on a vu les défaillances. Comment est-ce que ces gens, Bakoti, Basalipe vidéo, Balabolandi, pendant ma minute ébélé, où était la garde républicaine? Ce sont les zibous de la garde républicaine, tant que vous voyez renfort avec le général Ephraim. La première des choses, Babomina nous, électricité. Pas du courant, n'a parlé de la nation Mobimba. Et comme Bango Bazali ba habitué à ba opération ya Boutou, ba lati ba linette na Bango wana ba komi na misunette ya Nyama, o le nyaka na Boutou, c'est comme ça qu'on les a neutralisés. Et ba ou ba bandeki koki ma ba kende fleuve Congo, la garde républicaine était déjà, ba msousou Bazali qui déjà, na kati ya mai, voilà pourquoi, ou moni ba kangi même les Américains, l'Américain wana mundele Bazali komo na wana, celui qui est entré sur le sol congolais le 9 mai, il était chargé, yako manipuler le drone. C'était lui qui était chargé, yako utiliser bruyère. Oh, de mona ki wana, les images, on va illustrer cela. C'était lui qui était chargé, il a neutralisé d'autres armes, comme la garde républicaine. La question reste posée. Comment ils se sont retrouvés dans le palais de la nation sans qu'il y ait aucune résistance? De l'autre côté, est-ce que ces gens étaient venus pour Vital Kamerhe? Est-ce que Vital Kamerhe n'y est pas pour quelque chose? La question reste posée pour savoir que depuis Tshisekedi a menacé qu'on dissoudre le Parlement, il y a 72 heures, coup d'État, tentative, il y a coup d'État isalé. Les dignitaires de l'IDPS, est-ce qu'ils doivent comprendre, est-ce qu'ils comprennent réellement la situation que traverse la République démocratique du Congo? Bon, là où les alliés nous amènent, dans la distraction. Tolinga qui tombe à l'isolo ya mouze lelo. On allait rentrer dans l'isolo ya mouze lelo.
On doit féliciter la garde républicaine. On doit féliciter les forces armées de la République démocratique du Congo. Avant, nous avons dit qu'on a eu une telle politique sur l'angle politique. Yamakambo et Salemi, j'aimerais ici dire aux Congolais, mes chers compatriotes, l'ambassade des États-Unis, il faut Ekanga. Oui, il faut Ekanga. Avant, il y a biso kozwana nous clarté. Il y a des Américains au Bayaki en appui. Il y a des terroristes, il y a des aventuriers, il y a des qui ont fait la coup d'État. Les Américains doivent nous expliquer, noir sur blanc, les Américains doivent nous dire comment est-ce que les sujets américains, avant dans notre zone, ils s'abandonnent aux États-Unis d'Amérique, parce que les États-Unis ont déjà écrit, ils réclament que les sujets américains arrêtent. Pendant l'opération, il faut que Zongi Sabango na États-Unis kunande ba kokende ku Zongi Sabango. Mais l'ambassade des États-Unis, à chaque fois qu'il y a le déplacement d'un citoyen américain vers un pays étranger, l'ambassade a été toujours informée. Ça veut dire que l'ambassade des États-Unis est là qui est informée na makambo yo ezali ku salima. Na makambo yo ya déplacement ya ba américain. Et puis américain azala qui accompagné na ba drone Oyo Yaki peut contrôler la ville de la commune de la Gombe. Américain, il avait des équipements. Oyo Yanda qui consacre que les images et aussi les autres armes et Koka qui combatta à ce net instant. Il avait brouillé cela. Il avait bloqué cela. Ça veut dire le déplacement de ces Américains était connu de la hiérarchie des États-Unis. La présence de ces Américains en République démocratique du Congo était connue de l'ambassade. Et l'ambassadrice des États-Unis a coquille Kolobelabiso, Bamasolo à Lingabe Telabiso Wanate. Parce qu'ezali maman na Lokuta, parce qu'ezali ko aveugle ba Congolais, na bouzobo ba Américain, bazali sima, ya tentative ya coup d'État raté wana. Mais leur cible a été raté et préparation à Babylone qu'on a bango basala qui yango malamouté parce qu'il n'y avait qu'un seul commando et ce commando a été abattu. Christian Malang, moi nana yeba kangiye, le deux autres américains blancs qui l'accompagnaient ont été arrêtés. Il y a un sujet canadien, voilà pourquoi le ministre d'affaires étrangères congolais doit convoquer les deux ambassadeurs, celui du Canada et celui des États-Unis d'Amérique, pour que ces gens viennent nous donner des explications comment le sujet de ces deux pays qui se sont retrouvés sur le sol congolais ont essayé d'aider les Congolais à réussir une tentative de renversement il y a un pouvoir Nabisso. Alors j'aimerais vous dire, au moins l'aveuglement américain basali ko sala, ce n'est pas pour rien. Tentative il y a coup d'État appuyé par les Américains et Salemi, sima il y a critique il y a Tshisekedi. Oyo a critiqué, je me répète, tentative de Salemi, Sima Yatisekedi qui critiquait la communauté internationale, les Américains et l'Union européenne publiquement devant les journalistes de LCI. Tshisekedi a dit que les Américains nous apportent les aventures, les Occidentaux, Bazali comme Melabissor, ils nous font la morale en nous dictant des décisions. Et le bisomoko, Tozali Nango Sirte, comme par exemple le dialogue entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Au lieu de sanctionner le Rwanda, Bango va imposer la solution aux problèmes africains. Et à la question de savoir entre les Occidentaux et le Russe associé aux Chinois, Banani va causer la grande partie en Afrique, Tshisekedi a répondu que c'est la Russie et la Chine. Il y a même des pays américains qui ont planifié et locaux et s'imité. Tout ça, à l'époque, il y a eu l'époque où il y a eu Laurent Désiré Kabila. Tout ça, il y a l'époque où il y a eu. Vous voyez comment l'armée a répliqué? Voyez-vous comment l'armée a maîtrisé ces gens? Voyez-vous comment les Américains, basant un discours à Olobate, le lobby, ils sont disposés à aider le gouvernement à mener des enquêtes. On n'a pas besoin des enquêtes.
T'as besoin d'une enquête. T'as besoin d'y que ces Américains ont été pendus. Parce que la peine de mort existe. On m'a dit que l'autre Américain balobi un sujet américain azali extraordinaire. Comme on l'a arrêté ici, Bakoki Kosambi Sayete. Il y a des Américains qui sont prisonniers de guerre dans le Vietnam. Ils sont arrêtés là-bas. Il y a les Américains qui sont prisonniers en Russie. Ils font la prison. Pourquoi pas ces Américains bakangi avec la tentative de coup d'État bakoki ko sambi sabangote. Bazoi bisabango bazoi bisote bango il faut ba l'État américain et sengi bango bazonga les États-Unis bakende ko sambi sabango kuna. Non, c'est la haute trahison. Il y a aujourd'hui la peine de mort a été rétablie. Le peuple veut voir ba toi na ndenge bayaki na manduki papa boma chef de l'État. Peuple asengi bacha bango na martyr. Toto mbisa martir, babeta bango masasi, bakufa na mbuma. Zela bayela ki ya mbuma, bango pe bakufa na zela ya mbuma. Parce que c'est de la haute trahison. Que ça soit les Canadiens, que ça soit les Américains, que ça soit aussi les Congolais, oyo bazala ki na katuana. Et sengeli bakufa na zela mbuma. Est-ce que vous vous imaginez un Congolais aller faire cette histoire? C'est théâtre bango basali na palais de la nation un congolais qui ne ko sala yango na maison blanche. Imaginez-vous les conséquences. Est-ce que congolais ko ki ko réclamer congolais wana baya ko sambisa ye ao? Est-ce que les Américains sont super plus que d'autres citoyens du monde? Arrêtons quand même de rêver. Arrêtons quand même de rêver. On doit se dire les choses en face. Makambu foto lo bango nenge tozali ko lo babo. D'Américain, Bamoni, que Tshisekedi est en train de le tourner le dos. D'Américain, Bamoni, que la position que Tshisekedi vient de prendre, il y a Oroba, que les Turcs, le Russe, les Chinois, Bakozala un avantage par rapport au Abisso. Donc, nous sommes en train de perdre la réserve, il y a Iranium. Nous sommes en train de perdre la réserve, il y a Coltan, en faveur, il y a Baris, en faveur, il y a Chinois. Il faut neutraliser Tshisekedi. Mais Mouton va faire ça qui mission, n'a pas ça qui est en goma. Je vous avais donné le plan de Vital Kamerhe. Ah, Kamerhe était là pour déstabiliser les chefs de l'État. Mais là, vous avez compris, Namakambo et Salemi, ils ont commencé chez Vital Kamerhe. Il y a eu la résistance, mais arrivé au palais du peuple, aucune résistance. Aucune résistance. Je ne suis pas en train de dire que Vital Kamerhe est au courant. Il est à la base, soit il est le cerveau moteur, il y a Makambo et Salemite. Je ne suis pas en train de le dire. Pourquoi vouloir tuer Vital Kamerhe? Parce qu'il est juste un simple député national. Dans la vidéo, j'ai vu un autre assaillant dire que non, l'objectif d'Abango Zalaki va cibler Ndakouya Premier ministre. Va cibler d'accord Jean-Pierre Bemba, nanda quoi Vital Kamerhe. Selon Bango, il fallait qu'il bat tanga dignitaire moko régime ya Tshisekedi comme un otage. Et comme ça, il pouvait effectuer des chantages. Bango baza déjà na Moutouana. Ba enlever Moutouana et qu'il commence à faire du chantage. Et le nom Tolinga qui le Bama Kamounousous. Dieu merci, parce que tout a été maîtrisé par les forces de sécurité. La sécurité doit être renforcée. J'ai dit à Augustin Kabuya, na EBCA, est-ce que vous avez dit que vous avez dit que l'Union sacrée est en train de vous embrouiller. Président de l'Union sacrée, vous avez embrouiller bino. Aujourd'hui, la sécurisation du pouvoir, combattre le pouvoir. Tout ce que nous sommes en train de voir, est-ce que vous allez combattre le pouvoir? Quelles sont les mesures qui ont été prises? Rwanda na Kabila ba yokanaki. Bazwa oto zali kobenga ba frontière na biso, ba pesa yango na ba Nyarwanda. Pour que ba traquer ba FDLR. Qu'il le lobe wali kozwa moto a deux jeunes wali kotika iwana. Bon, c'est ba anciens généraux qui ont travaillé avec Joseph Kabila, botiki bango wana. Ces gens ne sont pas loyaux envers le chef de l'État. Je l'affirme, ce sont les mêmes personnes qui trahissent dans le combat de l'Est. Na bitumbo zali kosale mana Est, mais les mêmes personnes qui trahissent. Bazaka Kabatouana. Vous les gardez, regardez aujourd'hui la passivité, la facilité avec laquelle Batouana 40 Basali.
Et si c'était bien planifié, on allait parler quoi? On allait faire l'analyse de la situation. On doit également interpeller le dignitaire du régime. Ne soyez pas enivré par le leu du pouvoir, par le miel du pouvoir. Vous devez regarder et être regardant. Vous devez envoyer vos propres personnes. Bah, tu n'as pas confiance dans ma cambo et la sécurité. Les enquêtes sont en cours. L'obi, tous les enquêtes sont en cours. L'obi, actualité moussous. Les autres éléments qui se sont ajoutés. Et nous allons venir pour vous faire l'analyse complète de la situation. Ba américain wana ba sakana na ba congolais té ono biso ba américain ba twana ba ya koto to sambisa bango té ba boba bango nyonso. C'est ce que le peuple demande. Partout où je suis passé ba sengingai ba boma ba twana nyonso ba sambisa bango ba auditionner bango ba le kana interrogatoire après ba boma bango nyonso par la peine de la mort. Voilà pourquoi je m'arrête par là. Tokutani na bino mokolo ya lobby avec de plus amples éléments yasika à ce qui concerne cette situation, ce théâtre d'une tentative ya coup d'État. Ciao.